coucou Vincent, comment ça va? Salut, et toi, tu vas bien? Ouais, ouais, ça va. Bon, ouais. Bah, je suis content de te croiser, ça fait longtemps qu'on devait se voir, déjà depuis 2016. Et maintenant, on se voit en 2017 pour parler justement de ta musique, de pas mal de choses. Donc le fait que tu sois champion du monde en équipe de DMC, et aussi de ton groupe, du coup, 9 O'Clock. On va parler du DMC avant. Qu'est-ce que c'est en fait ces championnats du monde de DMC? Ça consiste en quoi? Alors ça consiste, les DMC, c'est une compétition, déjà l'acronyme c'est Disco Mix Club. Donc c'est une compétition qui existe depuis maintenant, enfin depuis les années 80 à peu près. Et en fait c'est un peu regrouper tous les DJ turntables comme on dit, c'est-à-dire technique qui utilise la platine comme un instrument, dans une compétition. Voilà, il y a plein de pays. C'est sur une journée du coup? Alors avant c'était sur 2 jours. Maintenant ils ont condensé ça en une journée. Mais et puis il y a plusieurs catégories en fait dans DMC. Donc toi par exemple, toi t'es champion du monde, t'es 3 fois champion du monde, mais par équipe. Par équipe, avec 9 O'Clock qui est mon groupe. De DJ Hertz et Mr Victor, mes acolytes. Ouais, et donc toi tu es AO6 hein, pour sortir les blazes. AO6, voilà. Et donc ouais non, c'est... c'est une compétition assez axée technique en fait. Il y a de la musicalité, mais c'est quand même pour un peu des initiés, c'est-à-dire une personne qui ne connaît pas du tout l'univers du scratch, du turntablist, etc. Il va pas, il peut vite se noyer en fait dans un truc et pas comprendre. Ouais, alors du coup, c'est quoi? C'est que tu prépares des sons ou te donnes des sons? Et après derrière vous avez un temps limite pour pouvoir ambiancer une foule, un public? Ouais, bah en fait ça a beaucoup changé avec la technologie. Historiquement, en fait, le taf du turntable, c'était de prendre des morceaux existants. C'était très axé hip-hop hein, comme compétition à la base. Donc le défi, c'était un peu de créer ce qu'on appelle des routines. Donc c'est des petits formats de battle, vraiment des constructions en fait avec plusieurs disques existants, des morceaux existants, où on jugeait la technique justement et la créativité du DJ en fonction de ce qu'il faisait avec ses disques. Mais aujourd'hui en fait avec les technologies comme le Serato, Traktor, etc. On est plus dans une démarche de produire nous-mêmes les sons avant, pour ensuite les rejouer, faire une proposition après sur scène avec nos compositions. D'accord. Ou alors remixer des morceaux connus. Voilà. Et du coup vous êtes là justement à vous battre en battle contre un groupe, et après vous passez un tour, vous êtes en second tour, vous êtes en troisième tour, en quart, en demi Ouais c'est ça en fait, c'est un format de compétition un peu classique, inhérent au hip-hop, hein, comme dans la danse, ou peut-être dans le graph, etc. Donc il y a des compétitions où tu as des qualifications, ensuite tu as des phases de poule un peu, quart de finale, demi-finale, puis finale. Et donc ouais, effectivement, t'affrontes d'autres pays et enfin, en tout cas pour le championnat du monde, championnat de France, bon évidemment, d'autres régions françaises. Et bah voilà, le défi c'est de remporter, c'est de calmer tout le monde quoi. Ouais. Et devenir le patron. Et du coup, comment vous faites par rapport à un groupe? C'est que chacun a ses lignes. Il y en a un qui va faire la basse, l'autre qui va faire la mélodie. Comment ça se passe toi? Vous êtes 3 du coup? Alors nous, on est 3. On s'organise, on peut dire, on a chacun un peu des prédispositions au niveau des instruments, dans la manipulation, etc., en fonction de notre propre technique. Mais au final, tout est interchangeable. C'est-à-dire, le show, nous, on est jugé sur 6 minutes. Donc 6 minutes, c'est quand même un format assez, assez court, mais c'est assez long à construire, mais c'est assez court en exécution. Et dans ces 6 minutes, chacun peut tour à tour jouer la basse, le synthé, la voix. Voilà. Et ce que vous faites, vraiment... c'est un point de vue un peu plus terminologique, oui. C'est que c'est du scratch et du beatmaking, c'est ce genre de choses. C'est que vous prenez en fait la table de mixage et vous la manipulez en tous les sens possibles pour produire le son le plus impressionnant sur le moment. Alors ouais, c'est plus la platine qu'on va mettre, enfin c'est sur le disque en fait où on fait vraiment beaucoup de manipulations. La table de mixage aussi. Alors il n'y a pas de vinyle du coup, c'est que du... Alors c'est des vinyles, mais c'est des vinyles time codés, on joue avec Serato. Ouais. Donc on joue des banques sons qui sont déjà dans l'ordinateur. Mais en fait la manipulation elle-même reste la même que sur un vrai vinyle. C'est-à-dire le toucher est le même, etc. C'est juste qu'on a pu à changer les disques pendant le set. On garde le même disque. Voilà. On peut construire différemment son show en fait. En tout cas, c'est un truc qui marche bien parce que du coup vous êtes connu comme ça. 9 O'Clock, parce qu'auparavant en France on a quand même la chance d'avoir aussi du C2C ou du Burningham qui ont gagné ces championnats du monde comme vous. Est-ce que vous faites un peu justement le même genre de musique? 9 O'Clock c'est quoi comme groupe? Vous le définissez comment? C'est de l'EDM, de l'électronique, du scratch? Ouais. Nous alors c'est bien d'avoir cité les autres groupes précédemment puisque Birdie, C2C, etc. ils ont vraiment ouvert un peu le chemin, quoi. Le chemin en France de cette culture et de cet art.
Après, nous, effectivement, musicalement, on se positionne différemment. C'est-à-dire, nous, on va dire, on est plus dans une veine un peu future beat. C'est un peu... on est un peu les témoins de notre temps, si tu veux. On fait un peu une musique assez actuelle. On a des refs, mais on est quand même assez différent de Birdie ou de C2C. Dans le musicalement parlant. Vous êtes beaucoup moins EDM que Bernie Nam Nam avec son dernier album. Non, on est plus électronique. On n'est pas EDM. EDM, c'est... non, on n'est pas trop dans ce truc-là. On est plus vraiment dans la musique électronique, mais donc... Future Beats avait des influences un peu pour, bon, pour faire large. Des mecs comme Flume ou comme Cashmere Cat, voilà, c'est les sons un peu... Il y a une racine hip-hop, mais en même temps, c'est assez, il peut y avoir des sons assez chill, etc. Moi, j'écoute beaucoup de house music aussi, donc il y a aussi des petites tendances à être un peu funky, etc. Mais non, on n'est pas du tout EDM. Ça, c'est, De toute façon, le mieux, c'est d'écouter par soi-même. Hein. Donc, il y a un premier EP qui est sorti en avril 2016. Ouais, c'est ça. Qui s'appelle Wake Up. Wake Up, ouais. Donc, ça fait quand même pas mal de temps. Mais est-ce qu'il y a des nouveaux sons maintenant qui sont sortis ou est-ce qu'il y a des nouveaux sons qui vont sortir en 2017? Alors, entre-temps, ouais. Alors, entre-temps, on a fait quelques remixes. Un remix de Scootball Q et de The Internet. Voilà, vous pouvez aller écouter. C'est sur notre page Facebook, 9 O'Clock. Et pour 2017, là, on prépare un deuxième EP. Donc, on est en pleine production en ce moment. Et donc, ça va arriver en ces prochains mois, je dirais, dans la première moitié de l'année. Voilà. Alors, mais c'est quoi ton métier, après en parler? T'es producteur, t'es DJ, t'es artiste, t'es musicien? Comment tu te définis, toi? Ah, c'est une bonne question. Merci. Je me vois plutôt comme un DJ avant tout, puisque j'ai commencé par être DJ. C'est ça qui m'a poussé à faire de la musique, en fait, c'est le DJing. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 17 ans à peu près quand j'ai commencé, en fait, quand je me suis intéressé à passer des sons pour des soirées, etc. Alors, je me suis très vite intéressé au scratch, en fait, jusqu'au mix. J'étais vraiment un peu ce qu'on appelle un plus par la technique de l'instrument. Un geek, c'est ça. C'était fou. À l'époque, j'ai commencé à regarder des vidéos. Je me disais, mais attends, les gars, ils arrivent à faire ça avec des platines vinyles, mais c'est complètement, c'est incroyable, quoi. Enfin, ça m'a sidéré à l'époque, et donc du coup, je me suis super intéressé au mouvement. Et de là, c'est devenu un peu une obsession. De toute façon, pour le scratch, c'est quelque chose. On peut penser à tort que c'est super simple. C'est juste du grattage assez rudimentaire, mais en fait c'est très 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 difficile et faut vraiment être passionné et s'impliquer pour avoir un bon niveau et progresser. Donc je me suis un peu enfermé là-dedans et j'ai commencé à devenir de plus en plus fort, entre guillemets, à gagner quelques compétitions. En fait, t'en as fait ton métier dès le départ, tu t'es dit c'est ça que je veux faire? Bah non, pas forcément. Non. Comme toute passion, au début c'est une passion, donc c'est plus un... On va dire quand t'as la jeunesse et la fougue, ça canalise en fait plein de choses. Et je me suis retrouvé là-dedans, ça a permis de me focus sur un objectif en fait. C'était vraiment un peu le côté un peu... hargneux de la jeunesse où t'as envie de défoncer tout le monde, t'as envie d'être le meilleur. Donc dans ce type de dans le DJing, j'ai trouvé ça en fait, cette espèce de compétition, donc via les compétitions de scratch, de mesurer aux autres. Et c'est ça que je recherchais, mais je me disais pas, je me suis pas dit je vais en faire mon métier parce que ça n'existait pas forcément en plus à l'époque. Voilà, tu peux pas te dire je veux être scratcher, ça a aucun sens. Ouais, et puis il va dire ça à tes parents, j'imagine que. Non plus, c'est un peu difficile. Mais du coup, en tant que scratcher, c'est quoi? Tous les matins tu te lèves, tu fais tes gammes comme n'importe quel musicien? Alors maintenant. Si tu vérifies si t'as toujours un peu le doigté. Alors maintenant non, moins, puisque ça fait pas mal d'années maintenant que j'ai commencé. Mais dans un premier temps, c'était des entraînements. En fait, c'est comme un sportif, hein. T'as une discipline, une rigueur, tu dois apprendre constamment les nouvelles techniques, essayer de trouver ton style aussi, donc combiner ces techniques avec d'autres et de faire ta propre identité. Donc c'est beaucoup de training, Je suis entraîné des heures et des heures. Pour quelqu'un qui veut s'essayer, pour quelqu'un qui a envie de se lancer dans cet univers, ne serait-ce que déjà de DJ tout court avant de partir dans le scratch, qu'est-ce que tu lui recommandes, le seul conseil que tu pourrais lui donner? Le seul conseil, c'est d'être patient. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance... Bah, ça a un peu changé aujourd'hui avec les technologies. Parce que moi, quand j'ai commencé, c'était...
ça va faire un peu vieux con quand je dis pas tout ça, mais c'était du vinyle, donc il n'y avait pas de système informatique à ce moment-là. Donc c'était vraiment long, c'est-à-dire... long pour chercher déjà les sons déjà. Ouais, de caler les sons, de caler les vinyles entre eux à l'oreille, c'était quelque chose d'assez... c'est pas compliqué, mais ça demande quand même une attention particulière. D'autant qu'est-ce que tu as une formation musicale à la base? Pas du tout. Ouais. Non, pas du tout. Mais ensuite, avec les systèmes numériques, aujourd'hui, tu as des touches sync, tu n'as même plus besoin de... Voilà, c'est juste partir dans le temps et le truc est calé tout seul. Donc c'est un autre travail en fait. Mais quand même il faut de la patience. En tout cas pour le scratch il faut beaucoup de patience. Pour le mix aujourd'hui c'est beaucoup plus accessible. Tout le monde aujourd'hui peut demain en quelques jours, 2-3 jours devenir DJ quoi. Ouais, donc de toute façon il suffit d'avoir deux pages YouTube, on balance des sons au fur et à mesure et le but est là, c'est de partager du son, c'est d'orienter les gens. Le métier a changé mais... Tout le monde est DJ, c'est pas un problème quelque part? Pour nous? Ouais. Bah... bizarrement non. Puisque en fait nous, en ayant tout ce bagage un peu technique en tant que DJ, etc., les personnes même, enfin, ça arrive de mixer en soirée, enfin je mixe pas trop en soirée, mais quand ça arrive, il y a parce toujours tu fais rémunéré quoi. Voilà, mais il y a toujours des personnes qui vont venir me voir et qui vont me dire ah putain mec, c'était vraiment stylé là, les scratchs à ce moment-là. Parce qu'en fait, aujourd'hui on a une espèce de valeur ajoutée par rapport à pas mal de DJ qui ont commencé un peu comme ça, soit des DJ qui sont en fait des blogueurs ou des mecs qui font juste ça par passion, je juge absolument pas, hein, c'est cool. Mais en fait nous on a cette plus-value, c'est que c'est notre métier et du coup on sent quand même la différence quand un mec comme ça mixe et quand nous on mixe. Ouais, il y a un DJ et puis c'est un mec qui fait juste une sélection quoi. Voilà, il y a la sélection et il y a le mec derrière qui va vraiment apporter une valeur ajoutée avec sa technique. Est-ce que, dernière question, est-ce que prochainement on peut vous voir quelque part en soirée peut-être vous mixez alors, en soirée 9 o'clock? Alors non, on a fait quelques événements, on a fait quelques festivals là ces derniers temps, mais en fait vu qu'en ce moment on est sur une phase de prod à vraiment travailler la composition, parce que maintenant je suis producteur plus que DJ. Ouais. Donc on a appris la musique tous les trois ensemble, mais vraiment de manière théorique, etc. Donc maintenant c'est un autre aspect du métier. Et on est vraiment dans cette phase-là en ce moment. Et pour 2017, là on est dans une optique de monter un live pour ensuite tourner un peu partout. Et, ça sera prévu pour l'été du coup? On verra, ça dépend des plannings, ça dépend de plein de choses. Hein. Après les festivals sont déjà un peu bookés là. On est déjà janvier 2017, donc... peut-être on verra bien. Bon bah on attendra. Déjà on attendra le prochain EP. Voilà c'est ça. Et on écoutera déjà le premier, donc Wake Up. Ouais, je vous invite à écouter, il est écoutable partout sur Spotify, Deezer, iTunes. Et sur Torréfacteur. Et Torréfacteur, voilà, c'est ça. Je te remercie Vincent, bah, à une prochaine. Avec ciao. Plaisir. Bye. Ciao.